Watch it down! Eh bien bonjour tout le monde et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, comme vous venez de voir, nous avons eu un tout nouveau trailer pour Battlefront 2 et son nouveau contenu qui arrive cette semaine, le contenu de l'épisode 9. Et my god que c'était vraiment insane. Comme d'habitude, les trailers de DICE viennent donner de bonnes claques et franchement, mon dieu que ça fait plaisir. Donc nous allons regarder ensemble ce que nous avons pu remarquer, qu'il y a de nouveau, les nouveaux éléments, quelques petites analyses ici et là, à partir du début, donc allons-y dès maintenant. Déjà, sachez que ceci n'est pas des scènes du film, hein, ce sont des scènes qui ont été faites pour le trailer, selon ce que nous avons dans le jeu, donc non, ça ne spoil pas le film en tant que tel, ne vous inquiétez pas. Déjà, ce que nous pouvons remarquer, c'est que la première moitié du trailer se passe sur la nouvelle planète qui arrive le 20 décembre. Cette nouvelle planète jungle inspirée du film. Donc à travers tout le trailer, vous pouvez vraiment faire attention aux petits détails de la map à ce niveau-là. En plus, dans le ciel, on voit le Star Destroyer résurgent qui est complètement énorme. Il prend une grande partie du ciel vu que, voilà, c'est juste trop gros. Et bien sûr, ça indique que c'est la map de suprématie que nous voyons ici, qui arrive en janvier, je vous rappelle. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra aller dans ce Star Destroyer en suprématie. On peut d'ailleurs remarquer que le level design, donc comment la zone jouable est dans cette map, est très différente de ce que nous avons dans le jeu en ce moment. Donc franchement, ça va être très intéressant, je pense, à voir comme map et à découvrir avec vous. Bien sûr, on ne peut pas le manquer, le nouveau skin de Finn avec son nouvel habit, les pantalons bleus, la nouvelle coiffure. Donc ce skin sera disponible dès demain dans Battlefront 2. Nous venons de voir d'ailleurs les deux nouveaux renforcements du côté de la résistance qui viennent de passer, qu'on va voir un peu mieux dans 2 secondes. Au premier plan, nous avons le renforcement qui est tout nouveau de la résistance, qui semble utiliser une habilité de coup de matraque qui se rétracte sur son bras, et en plus il a un pistolet qui risque d'être son arme principale. Et derrière, on a aussi l'autre renforcement qui arrive, qui sera le mitrailleur qu'on peut voir en ce moment, avec cette énorme sentinelle, qui, bien sûr, risque de fonctionner différemment de ce que nous avons déjà en jeu. La question, c'est comment? On verra ça demain. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux nouveaux renforcements sont deux nouvelles espèces pour la résistance, donc ça c'est cool. Et bien qu'ils arrivent en janvier, on a un premier aperçu de BB-8 sur le champ de bataille qui fonce vers les adversaires. Et à mon avis ici, je pense que je ne suis pas le seul à penser cela, il semble foncer vers les véhicules, donc il aura probablement une habilité pour les hacks, ce qui serait vraiment intéressant à mon avis. Imaginez tous les marcheurs là qui arrêtent pas de nous tuer, qu'on pourrait juste aller et là pouf, tu prends contrôle, ça serait trop bien. Ensuite, premier aperçu du nouveau renforcement du côté du premier ordre, le Jet Trooper, qui utilise vraiment son jetpack, comme on peut voir, il peut même voler avec sur une certaine durée, et on peut les voir utiliser des lance-roquettes qui semblent être assez puissants quoi, à voir bien sûr. À ce moment, on peut voir la résistance se battre en retraite dans la base qu'ils ont construite dans cette énorme grotte. Il faut monter une pente pour y accéder, donc ça va être intéressant de découvrir de quelle façon ça sera construit. Est-ce qu'on pourra aller dans le vaisseau qu'on voit en plus? Ça pourrait être bien. Kylo Ren fait son entrée avec son nouveau skin, le skin sans capuche et son casque réparé, avec ses Sith Troopers qui est aussi un autre renforcement. On les voit avec leur nouveau blaster, mais à part ça, pas vraiment de nouveautés qui nous ont dit sur leur gameplay. Et Rey qui fait son entrée très stylée avec son skin tout blanc et cette tête qu'il semble avoir retravaillé un peu. Donc vraiment, waouh.
une superbe scène. Et l'autre moitié du trailer nous présente la célébration de Battlefront 2 avec bien sûr tout le contenu du jeu qui est maintenant, 2 ans plus tard, beaucoup plus complet, beaucoup plus impressionnant comme on peut voir présenté de la sorte. On a même un Hello There de Obi-Wan, c'est insane. Donc franchement ils ont fait un vraiment vraiment bon boulot sur ces trailers. Je pense que ça va amener pas mal de nouveaux joueurs en jeu et ça va faire grandement plaisir, c'est clair. Ce nouveau contenu m'a l'air vraiment bien, mais alors là, vraiment bien. Les skins de Kylo et de Rey sont faits, selon moi, à la perfection. Et la map a l'air vraiment intéressante. J'étais un peu sceptique vu que c'était une map de jungle, forêt, on en a déjà dans le jeu. Mais la façon dont elle est construite, ça semble être quand même assez nouveau, quoi. Ça va être, je pense, très bien et fun comme map, j'espère en tout cas. Le skin de Finn avec sa nouvelle coiffure, ses pantalons bleus, bref, son nouvel habit de l'épisode 9 est très bien foutu aussi. Et on a bien sûr les renforcements qui sont grandement présentés dans ce trailer. Vu que c'est quand même 4 grosses nouveautés, c'est normal de les voir autant. On a l'espion qui semble nous donner un nouveau gameplay du côté de la résistance. Le mitrailleur, le jet trooper et le seed trooper, ça va être vraiment intéressant de les découvrir dès demain. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette analyse. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer. Et on se retrouve sous peu aujourd'hui parce qu'il y aura une deuxième vidéo à ne pas manquer. Une nouvelle transmission est en approche. Probablement patch note, les détails de justement les nouveaux renforcements, leur habilité et tout. Donc ça, on ira découvrir ça ensemble sous peu. Donc laissez un beau gros like, commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.